Bon, posez-le là, qu'on s'en débarrasse. Merci. Votre mana a augmenté. Votre mana a augmenté. Ouais, bon, voilà. Cool. Cool, cool, cool. Petite barre de mana en plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a du feu et on a un chevalier. Est-ce que le chevalier est méchant? Non, parce que ce mec est devenu un gros pigeon. Il y a des zombies ici. Non, mais ouvre-toi. Mais pas, n'attaque pas, ouvre. Oh là là, les mecs, s'il vous plaît. Donc du coup, ouais, en fait, les chevaliers, c'est pas les chevaliers de Sir William, c'est les chevaliers de l'Ordre Silencieux. Et maintenant, ils m'obéissent. Même si je viens de massacrer leur maître. D'ailleurs, il fait quoi, là? Il m'attaque? Ah putain, venez me défendre, chevalier, je suis attaqué. Or ici, on peut ouvrir la... On peut ouvrir la barricade. On peut ouvrir la barricade alors qu'il y a encore des villageois. C'est un joli massacre. Je ne l'ai pas fait, mais... Bon, il se bat assez mal, ce chevalier, hein. Regarde, je te montre. Ici, il n'y a rien, il y a juste un chevalier qui camine. Là-bas, là-bas des maisons, je prends les runes. Alors celle-là est fermée, celle-là est fermée. Ici y a rien. Ici c'est une impasse. Ah non, t'es pas. Ah oui, ça va. Allez, je vais atteindre les 10 000 pièces d'or. 10 000. Attendez. C'est de l'or, ça. Effect mat. Bon, ici, on s'entend pas. Il reste quelques zombies. Bon, allez, s'attaquer aux villageois. Ah, une nouvelle... Nouvelle zone. Ah, et des villageois. Ah, donc la ville était coupée en deux, en fait. Ouais, disons, et, voilà, embuscade. Embuscade mortuaire. Et mortel. Et encore un bleu qui crève. Les mecs, allez chercher ce bleu, sérieusement, mais c'est... Ok. Super. Ah, j'ai récupéré de la vie, moi. Et ranime-le, voilà, super. Le rouge, ouvre-nous ça, qu'on aille voir les villageois. Je suis là, hein, les renforts arrivent. Les renforts. Salut. C'était formidable, l'étranger. Ouais, t'as vu? Oh, merci, merci, merci. Ouais. Nous sommes impressionnés. Je n'en doute pas. Surtout par votre superbe extermination. À ce point-là? Et tout votre travail. Oh, c'est rien. À notre tour de nous amuser. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est complètement sous drogue, en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tant pis. Vous avez pas vous amuser beaucoup, hein. Par contre, moi, c'est possible que... Putain, il y en a un qui s'est jeté dans le feu, je crois. Il y en a un qui s'est immolé. Bon, voilà, bah, ça valait le coup, hein. Vous m'avez surpris, oh là là. Je m'y attendais pas. Je savais qu'il y avait ça dans la ville, et comme c'est le dernier endroit où on va... Je savais plus si c'était du côté du temple ou ici. Mais là, je m'en doutais bien que c'était ici, parce que du côté du temple, ça... Est-ce que la quatrième maison est là? Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, il y a l'auberge au-dessus là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est peut-être une des maisons là-bas. On va ouvrir ça. Ici, il faut mieux pas y aller. Vous voyez. Oh, embuscade! Merde. Non, c'est bon. Une... Quatrième baraque est peut-être là. Mais ici, il y a les succubes et je veux pas les approcher, ces putes. Non, la quatrième maison est pas là. Elle est à côté de l'auberge. Je la trouverai, cette maison. Je rentrerai dedans. Je tuerai les gens qui y habitent. Bon, sachant que les trois maisons qu'on a ouvert, il n'y a personne dedans, mais... Non, déjà, on va aller à l'auberge. Je sais plus comment s'appelle l'auberge. Je crois qu'elle a une connotation... elle a un sous-entendu assez... assez vilain. Et là, votre baraque? Non, là, c'est... Ouh, de l'or. Ah, mais 10 000! 10 000 nattes. Bah, c'est pas celle-là, la maison?
essayer d'entrer dedans. Ouais. Elle est où la dernière maison que je dois... Il n'était pas comme ça avant. C'était un homme bon, un homme généreux. Ouais, bah c'est devenu un traître. Merde, elle est où la dernière maison? Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Pas grave, je la retrouverai. Même en off. Quitte à faire un petit... Nous donc voilà. Surveillons. Ah oui, tu me surveilles, toi. Mais ça, tu l'as vu venir. Allez, on va voir l'auberge. L'auberge du 7ème ciel, voilà ça. Petite connotation. Bien. Et donc c'est l'auberge ouverte à William. C'est peut-être l'enfer dehors, mais ici, les boissons sont toujours fraîches. Ah bon? Notre bière vous fera apercevoir le 7ème ciel. Et je suis sûre qu'ici, vous trouverez de quoi l'atteindre. Ouais. Jeune fille, on meurt de soif par ici. Ouais, va servir tes clients. C'est sympa ici, salut. Je vais te battre, c'est ça. Ah, c'est ça. Me cherche pas. Pour avoir des problèmes. Je ne prendrai pas. Est-ce soit à nous. Elle nous aime. Mais qui est à vous? Ils disent qu'il l'a invoqué. Pour satisfaire, vous savez bien. Invoquer qui? D'accord, Williams apparemment a invoqué quelque chose. Ils disent qu'il l'a invoqué. Pour satisfaire... C'est bien. Vous savez bien. Ouais, on a compris. Ah, il a l'air heureux, lui. Mort. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un fantôme avec cette pute de Mélisandre. Pas beaucoup y comprendront, c'est pas grave. Bon, je vais à l'arrière, hein. Je sais pas ce que vous y cachez, mais on va bien trouver. C'est vachement glauque ici. Eh madame, ou monsieur, t'as un truc rouge? Bon. Ah, le mieux là c'est de les laisser s'infiltrer, d'accord, ok. Roulez leur dessus, c'est des rats. Putain, il y en a combien? Oh mon dieu, c'est une invasion! Ah, Burn the Ball! Burn the Ball! Putain, mais reculez les larvins! Waouh, moi il y en a tellement! Ça s'arrête, ah ça s'arrête. Destruction! Destruction! Ok. Où y a quoi derrière? Un puits? C'est tout, putain. C'est de la merde. Ici, ça allait déjà... Déjà, il y a un feu derrière ce truc. Je l'ai vu. Ça brûle ici, il y a de la vie. Il y a de l'amour. Ah bah c'est plus... C'est juste une statue qui fait de la lumière. Oh là, par contre, derrière... Là, il y a des habitations, je sais pas. C'est une manière très propre et très polie d'entrer. Bonjour! What the fuck? Bon, vous allez où, vous? Ça fait une demi-heure que je vous suis. Bienvenue. Ouh. À l'ordre de l'Aube Rouge. Profitez bien de votre séjour. L'Aube Rouge? Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. D'accord, vous êtes des mecs avec des masques. Bonjour, ça va? Ok, c'est strange. Et ça, c'est des femmes. Ça, c'est des femmes. Je peux pas voir, oui c'est des femmes. Bon alors, ou alors c'est des femmes, il y a un petit problème. Ici il y a quoi? Oh, cochon. Cochon? Ouais ça. Ah oui pardon, vous étiez peut-être en train de d'être occupé. Oh, un objet. J'aime les objets. Oh cool. Oh vous avez plein d'or ici. Oh, je me permets. Gros cochon, mais je ne me permets pas madame. Bon, ramenons ce truc. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites? Eh, vous m'attaquez? Très bien, vous voulez la guerre, vous l'aurez. C'est pas... C'est pas des espèces de sites là, en truc rouge qui vont me faire peur. Les bleus, sauvez les... Ah merde, vous l'amenez où vous? Attendez une seconde! Putain, lui, il a pas sauvé... Bien sûr, j'envoie mes deux bleus sauver quelqu'un, ils en sauvent qu'un. Attendez! D'accord, l'aube rouge. Strange. Oh, l'autre avec la main de zombie, il met une moque. Je sais pas si vous voyez.
Ok, salut les mecs. Bon, à l'arrière, j'ai trouvé vos prostitutes. Hein? Tout ça n'est pas assez fort. Quoi? Écoutez, je vous soupçonne d'être... Vous gênez mes larbins. Vous gênez mes larbins. Pousse-toi. Tout ça n'est pas assez fort. Vous avez provoqué une bagarre. Oh mon dieu, bagarre générale. Wouah. Tue tout le monde. Tout le monde se fout sur la gueule en fait. Pas seulement mes larbins. Bagarre de larbin de... Non, bagarre générale. Yeah, plus de larbin. Les mecs, vous battez pas ici? Eh, ça se bat dans l'arrière-salle, venez. Ouais. Oh, et moi aussi, je me battre. Avec une basse. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est bien. En plus, on a volé l'or de tout le monde. Oh, tellement d'âmes brunes. Putain, 600. Ah, 42 de corruption. Pas mal. Ne vous inquiétez pas, je vous tuerai pas. J'ai menti. Oh, il en reste un. Ok, bon, allons voir le Brouge maintenant qu'on a visité. D'accord, bon, les problèmes viennent apparemment de cette auberge. Je sais pas si c'est lié à la peste ou pas, mais ça vient de là. L'Aubrouge. Des amateurs de tapis et de mobilier fort bien cher. Bonjour, ça va? Je masque à tous vos potes. Méchant mouton, qu'est-ce que vous faites à ce mouton? Ah, pourquoi vous avez besoin d'un mouton? Oh, laissez, je vais pas ça. Je vais pas passer là, c'est ça. Occupez-vous de trou de balle machin et du levier derrière. Ah, c'est bête, on n'a pas pu voir ce qu'ils faisaient au mouton, mais ça devait pas être très catholique. Salut vous! J'arrive hein! Bon. 25 larbins, hein, pas mal. C'est ouvert? C'est chiant d'être gros, on va passer. Enfin, d'être gros, d'être imposant. Pas gros chef. Ça, c'est sympa, ça. Qu'importe. Salut les gars. Vous m'en voulez toujours? Elle est complètement folle. Qui ça? Madame. Wow. Personne ne peut déranger sa majesté en compagnie de Seigneur William. Oh oh. Alors, William le paladin n'est plus dans les bonnes grâces de la reine des succubes. Elle paladin. Ne suffisait plus. Elle ne va pas être contente du tout. D'accord, c'est donc ça le problème. William, c'est un paladin, oui, au départ. Le point fort des succubes. Nous devons avoir trouvé la source de la peste. D'accord. Donc, apparemment, c'est assez clair. William le paladin a invoqué la reine des succubes. Les succubes ont une réputation, ça, vous voyez. Et donc William a fait son affaire plusieurs fois, et au bout d'un moment ça ne lui suffisait plus, il en fallait une autre, puisque c'est la luxure, hein, il veut multiplier les conquêtes. Apparemment la femme qui veut, avec qui il voulait se marier, et dont il a annulé le mariage, il en a trouvé une autre, et donc la succube, pour se venger, a libéré la peste. Eh bien il est temps de mettre fin à la peste. Il n'y a que moi qui ai le droit d'affaire. Notre reine ne souhaite pas vous voir. Ah d'accord. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour négocier, de toute façon. Elle doit être tranquille pour se préparer. Le feu, les mecs. Vous êtes plus beaucoup, je trouve, hein, pour défendre votre reine. D'accord, et donc eux, c'est des... C'est pas des succubes, ça doit être des mecs qui sont complètement envoûtés. Comme on a vu le mec, là. Elle est folle et tout. Il a dû mourir après. Elle a dû bouffer. Donc en fait, eux, c'est des sadomaso, tout simplement. Parce qu'ils ont une reine qui les bouffe. Même si elle leur donne plein de plaisir. Mais bon. Bon, ma grande. Oui, c'est ça, rigole. Salut. C'est toi la reine des succubes? Tu ressembles mieux à une succube. Avec des plus gros bouts. Et t'as une statue aussi. C'est ça la source de la peste, cette statue? Oh, merde, c'est vrai. Madame, je ne vous permets pas de vous attaquer à mes larbins. Nap, 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 nap.
Putain, elle nous emmène loin. Vite, arrêtez-la avant qu'elle tue ce pauvre larbin. Ah ouais. Eh ouais, pas de bol. La reine des succubes, hein. Et moi, je suis le roi du mal. Qu'est-ce que tu peux contre ça? Aïe, d'accord. Arrêtez-la. Tu vas l'emmener où, celui-là? Ici. Je vais te cramer la gueule, ça va te calmer. C'est qui, le roi, ici? C'est comme Williams. Il fera pas long feu. Reculer, je sais ce qu'elle fait. Voilà. Elle balance une vague d'amour. Hein. Tu rigoles beaucoup, mais tu fais pas grand chose. Hein. À part. J'emmène à l'arbin. Ouais, c'est ça, rigole. Je te tombe sur la gueule. Ah. On peut pas l'approcher, cette pute. C'est ça, pousse-toi et t'es morte. Ah. Ainsi mourut la reine des succubes. Bitch, violer son cadavre. Non, je... Seigneur, cette fille que William le paladin devait marier, eh bien, c'est ma sœur. What? Satine. On ne se parle pas souvent. Et quand c'est le cas, c'est qu'elle doit encore faire face à des ennuis. Attends, ta sœur s'appelle Satine. À voir cet endroit, ça veut... C'est juste un énorme sous-entendu, ta sœur. Rien que par son nom. J'espère que personne ne s'appelle Satine parmi les abonnés. Votre prénom, c'est un sous-entendu. Bref, on n'embarque ça parce qu'apparemment ça a plus ou moins un lien avec la peste. Voilà, la reine des succubes est morte. William a perdu une de ses maîtresses, mais bon, je parie qu'ils sont en table. Et puis, on a arrêté la peste. C'est plutôt un bon point. Voilà. La porte, j'ouvre pas, je sais ce qu'il y a derrière. J'ai pas envie d'y faire face. Ouh, des trésors, les trésors de la succube, j'imagine. Plus de l'aube rouge. Pareil, l'aube rouge. Oh là, on est l'aube rouge. Alors, l'aube rouge, je crois que ce sont pas particulièrement. C'est pas particulièrement les larbans de la succube. C'est plutôt les hommes de Williams, en fait. Enfin, une espèce d'ordre que Williams a créé pour sauter sur tout ce qui est un sexe. Féminin. Ok. Mettez la statue. Oh, cette statue ne sert à rien. Les fans se demandent encore à quoi elles servent. Enfin, se sont demandé à quoi elles servent, parce que maintenant je vais sortir un paquet de temps. Certains des fans se sont dit, ouais, c'est sûrement un DLC et tout, en fait. Il va sûrement y avoir un DLC autour de ça. Mais non. Parce que finalement, il y a eu un DLC, c'était pas autour de ça. Enfin, il ne me semble pas. Donc voilà, c'est juste une petite statue qui traîne. Bon, la quatrième maison, on va pas aller la chercher. Je la ferai la prochaine fois que j'irai à... Ben, au prochain épisode on se fait Williams. Puisque c'est bon, les portes de son château vont s'ouvrir, on a plus ou moins récupéré. De Durium, Seigneur. Ouais. Il peut produire un métal plus solide. Je sais. Qui permettra de... On y va. Donc je vais me faire des nouvelles armures pour me préparer contre mon combat. Enfin pour mon combat contre le paladin. William. Donc va falloir attaquer son château, ouvrir les portes, le massacrer. Allez, nouvelle armure, nouvelle arme, nouvelle plein de trucs. Alors on va déjà se refaire une masse en durium. 3000 or. Et on va augmenter les dégâts que vous provoquez. Dégâts volants, attaque puissante, capacité d'éloigner. On va pas se faire chier. J'ai bien fait d'avoir 600 âmes parce que. Elles vont toutes partir là-dedans. Et we go. Forger! Faites-moi la plus puissante masse de tous les temps. Par contre, ça va y en avoir une chier qui va sauter. Un peu de forgeage fait du bien, Seigneur. Oh là là. Cela permet de libérer l'esprit. Essayez de compter, voir si on a 300. Destruction, génocide de l'arbre à bras. Yeah! Voyons ce qu'elle vaut cette masse. Oh god! Elle est magnifique! Wow! Durium, Durium, Durium. Allez, il me faut une armure en Durium. Alors l'armure en Durium, je vais pas pouvoir l'améliorer au maximum. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? 575, c'est énorme. Déjà, on va mettre 80 trucs pour régène. Parce que la régène, c'est important. Le haut fourneau a faim, mec. Et on va en mettre une centaine de ça. Non, même une 100, même 180. Ouais, 180, ça. Voilà, donc il est loin d'être amélioré au max, cette arme.
Je ne sais pas si je l'améliorerai au max parce que je veux beaucoup économiser pour la troisième armure qui est donc la troisième la plus puissante qui permet de mettre enfin, beaucoup d'armes. Hein. Et donc quand j'aurai ma troisième armure, il faudra que je farme un petit peu des orbes dans mes oubliettes. En fait, je fais spawner plein de vous savez, les espèces de gros scarabées. Et puis je les massacre. Voyons voir cette nouvelle armée. Waouh! C'est déjà. Alors j'ai toujours pas une cape digne de ce nom, mais. Waouh! C'est déjà plus badass! Déjà c'est une vraie armure ça! Waouh! Pas moche! Pas moche du tout! Ouais, l'Overlord is back! On change d'armure, on reprend une vraie armure! Et on va se faire un casque juste pour le lol, parce que j'ai pas envie de. Vous voyez, c'est augmente votre taille maximum, enfin voilà, je m'en fous en fait. Donc voilà, le maximum de l'armure, je crois, avec des objets, ça doit être 40 ou peut-être 50. Et en mettant beaucoup dans le casque, on peut vraiment avoir de grosses armées. Et voilà mon nouveau casque. Oh, c'est quasiment le même, mais en beaucoup plus badass. Le haut fourneau a faim. Eh ben purée, quelle classe, les mecs. Voici votre armure. Alors regardez, vous allez voir la différence entre les armures. Alors, armure en acier. Défense 0, machin, tout ça. Là, 18 et 8% de régénération de vie. Et elle est de base plus résistante. De toute façon. Le home. J'avais celui-là. J'ai celui-là. Beaucoup plus badass. Et l'armement, ma masse en acier faisait 52 de dégâts. Celle-là fait 90. Plus les dégâts de base qu'elle fait. Donc j'ai quasiment doublé de puissance. Tout simplement. Bon. Eh ben, épisode terminé. Je pense que je vais retourner au pic du paradis. Je vais les péter là tout de suite, les 4 maisons. Ah non, parce que je risque d'activer les supports. M'examiner comme ça, je l'assomme avec un petit zonier. On est à combien de temps ? Chef de l'armée ! Non, on va s'arrêter. Prochain épisode, je massacrerai les succubes, j'entrerai dans le château de Williams. Je tuerai tout le monde, je tuerai Williams. Et j'ouvrirai les 4 maisons de la ville. Voilà, c'était Cyanure, à la prochaine, et bon bah voilà, plus de puissance. A partir de là, le playthrough va s'accélérer petit à petit, vous allez voir. Le début était un peu long, mais ça va. J'aimerais bien avoir une véritable cape en fait. Celle-là est déjà mieux qu'avant, mais bon. Bon allez, salut !